Costandotti, Valentine Deret, France. La semaine dernière, comme j'ai dit, j'ai ressenti que c'était le moment pour moi de passer à autre chose. Entre guillemets, c'était l'Open de France le suivant. Donc c'était super de terminer en France. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, je ne me rendais pas vraiment compte de ce que c'était vraiment une vie de sportif de haut niveau. Assez atypique, assez exigeante et franchement, je retiens tout, mes coachs, mes sponsors qui m'ont soutenu, qui m'ont entouré, qui ne m'ont pas lâché quand il y a eu des bas. J'ai toujours cru que je pouvais réussir dans cette carrière et aujourd'hui, après 10 ans, c'est ce que je retiens. Franchement, rien à dire, je suis contente de ce que j'ai fait et contente de ce que j'ai réalisé. Oui, je suis un peu triste, c'est sûr, parce que ça fait une joueuse en moins avec qui je m'entendais très bien quand même. Et c'est vrai que je suis un peu étonnée parce que c'est vrai qu'elle nous en avait pas parlé du tout. C'est jamais facile de prendre la décision d'arrêter, mais apparemment elle a pas mal de projets et elle sait ce qu'elle veut faire, donc c'est cool. Ouais, elle l'a bien caché quand même, mais elle est toujours à fond de toute façon quand elle fait quelque chose, donc elle jouait à fond ses tournois, elle était motivée et tout, mais c'est vrai que je sentais qu'elle avait peut-être un peu moins envie de s'entraîner et de faire autre chose et je pense que c'est bien pour elle, comme elle me l'a expliqué, elle a d'autres projets et ça fait quand même 10 ans qu'elle joue donc... Je vais continuer sûrement à jouer au golf, je ne vais pas arrêter demain parce qu'aujourd'hui je me suis fait plaisir donc j'ai envie d'y retourner demain, je voulais jouer demain d'ailleurs. Mais on verra par la suite, mais j'ai envie de profiter du moment présent.